Good morning, allez, Yiden, et ce sera aujourd'hui le Nishma Trichard, bonne fortune, Mazal, Claudie Israël, bonne fortune, Mazal. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions en Seretanit, Perek Aleph, Mishnah Dalet. Igia Shiva Asar, Bemar Cheshvan, Velo Yardou Geshamim. Itrilo Yechidim, Mit Anin, Shalosh Taniot, Ochlin, Veshotin, Meshecha Shecha, Umutarin, Bamelacha, Uberichitza, Ubesika, Ubenilata Sandal, Ubetashmish, Amita. La Masechet Ta'anit, je vous rappelle, le but c'est d'expliquer, comme son nom l'indique, les Ta'aniot, les occasions dans lesquelles il faut jeûner, la manière dont le Beit Din instaure de jeûner, parce qu'il y a des misères, il y a des malheurs, il y a des menaces. Et donc, la cause essentielle qui est contrée dans la Mishnah, c'est essentiellement les pluies qui traînent à venir, comme on l'a expliqué, que quand il n'y a pas de pluie, ben, cause de Shalom, ben, on n'est pas, on peut rien, il n'y a rien qui pousse, et les gens meurent de soif. D'accord? Et ça fait en plus à des épidémies, bien évidemment. Donc, maintenant, jusqu'à maintenant, on a précisé à partir de quand on mentionne la pluie, on commence à prier pour la pluie. Mais à partir de maintenant, dans notre Mishnah, on va commencer à s'intéresser si la pluie traîne à venir. La Mishnah m'enseigne « Igia shiva asar bemar cheshvan velo yardou geshamim » Si le est arrivé le 17 cheshvan Velo yardou geshamim, et les pluies n'ont pas encore commencé à tomber du tout. Alors là, ça commence à être un petit peu, on commence à alerter un petit peu, que quoi? Itrilo ayechidim mit anin shalosh taniot. Les yechidim, c'est les talmidei chachamim. Yechidim, des gens uniques. Des uniques en leur genre, parce que c'est des gens parfaits. Et les yechidim, ils sont mit anin, ils commencent à jeûner. Shalosh Taniot, ils vont jeûner une série de trois jeûnes. Soit le 17 Cheshvan est arrivé, ils n'ont pas encore, il n'y a pas encore eu de pluie, et bien il va falloir commencer à prendre sur eux trois jeûnes. On précisera dans la prochaine mission exactement quand, parce que ce sera le lundi, le jeudi et le lundi, toujours, les jeûnes sera toujours lundi et jeudi. On expliquera plus dans les détails dans la prochaine Mishnah, quand on aura une Mishnah courte, ça va falloir en parler un petit peu plus. Et donc les Talmidei Chachamim, pour le moment, il n'y a que eux qui commencent à jeûner. D'accord ? Ochlin veshotin meshechashecha, maintenant c'est un jeûne relativement facile, parce que ochlin veshotin meshechashecha, ils pourront manger et boire depuis que la nuit elle tombe, et on explique d'abord, j'explique d'abord vite, il y a des jeûnes où la plupart des jeûnes qu'on jeûne, en général ça commence depuis le matin, depuis le lever du jour, l'aube, précisément, Amud HaShachar, le jeûne débute, durant la nuit on a le droit de manger. Il y a des jeûnes qui sont plus stricts, en l'occurrence Tisha B'Av et Yom Kippour, et comme on verra dans les jeûnes qu'on commencera par la pluie, il y aura un moment où tout deviendra beaucoup plus strict, et on commencera à jeûner depuis la veille. Mais pour le moment, on commence, la menace, elle est pas encore intense, donc on va commencer à jeûner easy, cool, un jeûne en journée. Maintenant, durant cette journée, Ochlin Veshotin Meshech Hashara, donc on a le droit de manger pour la nuit, parce que le jeûne débutera que le lendemain, qu'à partir du petit matin, à l'aube, Mutarin Bemlacha, et on aura le droit de travailler durant cette journée-là, ou Berichitza, et même de se laver avec de l'eau chaude, ou Besicha, de soindre de l'huile, ou Beneila Tassandal, et aussi de porter des chaussures en cuir, ou Betashmi Shamita, et d'avoir des rapports conjugaux. Voilà pour la Mishnah, concrètement une précision aussi, quand il y a, de manière générale, c'est précisé dans cette Gemara, ça se trouve ici, dans la Gemara, et c'est apporté dans le Barthénois ici, lorsqu'on a le droit de manger la nuit, c'est à condition qu'on n'aille pas dormir. Parce que dès qu'on est parti dormir, quand on se lève, après, même si on se lève et que le jour ne s'est pas levé, durant un jour de jeûne, eh ben on n'a plus le droit de ni manger ni boire. Boire, ça fait l'objet d'une discussion, mais en tout cas pas de manger, c'est sûr, c'est admis, qu'on n'a pas le droit de manger à partir du moment où on se réveille, même si on est encore en pleine nuit. Ce qu'on permet de manger la nuit, c'est que lorsque tu n'es pas parti dormir, ou encore, lorsque tu es parti dormir, tu as posez comme condition que je vais me lever demain pour manger. C'est d'ailleurs comme ça qu'on tient pour la halakha, que celui qui va, lorsqu'il va dans un jour de jeûne, bientôt le jeûne d'Esther, eh bien, comment ça se passe pour jeûner? Si tu veux te lever le matin à boire un café, ouais, on est même marqué, je crois, sur l'eau aussi, eh bien, depuis le moment où tu vas dormir le soir, tu poses la condition que je vais me lever avant l'aube, comme ça je vais continuer à manger, comme ça il n'y a pas de kabbalat ta'anit, tu ne commences pas le jeûne depuis le moment où tu vas te coucher. D'accord? Et ben voilà, c'est tout. Précision, par contre, un jour normal, lorsqu'on se lève en pleine nuit et qu'on a envie de manger, il n'y a selon l'Halakha pas d'interdiction de manger. Selon le Zohar, ça rapportait qu'il faut mieux éviter de manger. Boire, on a le droit de boire avant la tefila, si on veut, de l'eau,
et même sucré si c'est nécessaire un petit peu. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.